Bienvenue sur la chaîne YouTube WIDATA dans la rubrique SSC pour sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous résumons les principales étapes d'une analyse statistique que sont le plan de recherche, la préparation des données, le nettoyage des données, l'analyse exploratoire, l'analyse descriptive, l'analyse inférentielle et la présentation des résultats. C'est parti! Ici, nous résumons le plan des deux premières vidéos de cette série sur les statistiques. N'hésitez pas à aller les voir, elles vous donnent un condensé de toutes les étapes d'une analyse statistique avec des codes à l'appui. La première est une introduction générale au sujet, et la deuxième traite principalement de l'application du code. La première vidéo nous présente ce plan. Le point 1 et 2 sont traités dans la première vidéo, les points 3 à 6 dans la deuxième vidéo. Le point 7 sera traité en détail que dans les prochaines vidéos. Parlons maintenant de ces étapes. 1. Le plan de recherche. Lorsque vous souhaitez faire une recherche, il est important de choisir un sujet et de voir s'il est intéressant à traiter. Il est crucial que vous réalisiez une revue de la littérature en amont, c'est-à-dire chercher des articles sur votre sujet et voir ce qui a été dit. Vous pouvez utiliser Google Scholar pour vous aider dans votre recherche. Il existe des sites permettant d'avoir accès à des articles et des livres gratuitement que nous n'avons pas nommés ici. Nous ne vous invitons pas à aller les voir si jamais vous tombiez sur un article ou un livre payant, mais on en parle juste comme ça. Avec toutes les informations que vous avez obtenues, vous devez faire une question de recherche qui met en avant le lien entre deux éléments pour une population délimitée. Par exemple, est-ce que le salaire dépend de la durée de la période de chômage pour les anciens chômeurs? Ensuite, il faut dégager des hypothèses intéressantes à tester, de préférence entre 2 et 5. La première hypothèse devrait pouvoir répondre à la question de recherche. Les autres hypothèses abordent des questions liées. Par exemple, l'âge de la personne a une influence sur l'effet de la durée du chômage sur le salaire. Pour chaque hypothèse, il faut préciser quel est le résultat auquel nous nous attendons. Par exemple, nous pensons que plus la personne est âgée, plus la durée de chômage aura un effet négatif. 2. La préparation des données. Lorsque nous sommes au clair avec la question de recherche et les hypothèses, nous pouvons commencer à nous intéresser aux données. Évidemment, il est important de voir s'il est possible de tester nos hypothèses avec les données à disposition. C'est ce qui va nous guider dans la recherche d'une source de données ou la constitution de nos hypothèses. Surtout, allez lire le codebook qui est la liste des variables disponibles dans les données. Une fois que tout est bon, vous pouvez déplacer vos données dans un dossier spécifique et bien organisé pour l'analyse. Ensuite, importez les données avec R. 3. Le nettoyage des données. Une fois que vos données sont dans R, il faut passer par plusieurs phases de nettoyage. Premièrement, sélectionner les variables et la population d'intérêt et les mettre dans un nouvel objet. Deuxièmement, recoder les variables pour qu'elles aient le bon type et pour régler les éventuels problèmes de valeurs manquantes. Troisièmement, retirer les valeurs manquantes et sauvegarder les données propres sur votre ordinateur. Cette partie est importante pour la suite du travail et il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps dessus pour être sûr que tout va bien. Parce que si vous devez encore nettoyer vos données parce que vous vous rendez compte plus tard dans l'analyse que vous deviez changer quelque chose, ça risque de changer vos résultats, voire de vous faire refaire tout le travail. 4. L'analyse exploratoire. Dans cette partie, il faut explorer les données et voir si on peut déjà constater des tendances ou des liens entre les données. C'est aussi une partie utile pour voir si nous avons bien nettoyé nos données, détection d'anomalies par exemple. On regarde plusieurs variables en même temps, et individuellement, généralement avec des processus automatisés. 5. L'analyse descriptive. L'analyse descriptive ressemble à l'analyse exploratoire, sauf qu'elle regarde directement les variables qui nous intéressent, mais plus en profondeur. Généralement, nous avons une variable à expliquer, variable dépendante, ou une ou plusieurs variables explicatives, variable indépendante, possiblement une ou plusieurs variables médiatrices qui changent la nature du lien entre nos variables à expliquer et notre variable explicative, et des variables de contrôle qu'on soupçonne avoir un effet sur la variable à expliquer. Concernant ces dernières, on les ajoute pour prendre en compte leur effet sur la variable à expliquer et donc mesurer l'effet véritable de la ou des variables explicatives. Il faut faire des analyses uni et bivariées utiles. Univariée, donc une variable à la fois, pour voir la distribution d'une variable. Ici, si possible, le faire pour toutes les variables, et bivarié, donc deux variables ensemble, pour voir le potentiel lien entre ces deux variables. Pour l'analyse bivariée, il n'est pas nécessaire de le faire entre toutes les variables, seulement entre la variable à expliquer et les variables explicatives et médiatrices. 6. L'analyse inférentielle.
Avec l'analyse descriptive, nous avons une idée claire de la forme de nos données et nous pouvons déjà entrevoir des liens. Avec l'analyse inférentielle, nous testons l'existence et la force de ces liens. Ici, nous nous intéressons essentiellement aux liens entre la variable à expliquer et là où les variables explicatives. Dans un premier temps, nous testons ce lien avec un test d'hypothèse simple entre la variable à expliquer et chaque variable explicative. Dans chaque cas, nous devons faire attention à ces trois éléments. Premièrement, est-ce que ce lien existe? Pour le savoir, on regarde généralement la significativité. Deuxièmement, si ce lien existe, quelle est la force de ce lien? Il existe diverses mesures pour ça. Finalement, si ce lien existe, dans quel sens va-t-il? Positivement? Négativement? En faveur d'une ou plusieurs catégories, etc. Si le test ne semble pas indiquer de lien, cela peut venir soit d'un nombre trop faible de données, soit d'un effet spécifique. Dans ce cas-ci, il est possible que le lien devienne significatif dans un modèle de régression, que nous verrons tout à l'heure, soit il y a une absence de lien. Dans un second temps, nous réalisons un modèle de régression. Un modèle de régression est un modèle mathématique qui permet de tester le lien entre une variable à expliquer et plusieurs autres variables. L'avantage de les utiliser, c'est que ces modèles permettent de tester l'effet de chaque variable individuellement une fois que l'effet des autres a été retiré, donc s'approcher le plus possible de l'effet propre de chaque variable. Pour nos variables explicatives, nous vérifions aussi les trois points évoqués plus tôt, que vous pouvez voir à l'écran. Généralement, on ne commence pas par le modèle avec toutes nos variables. Nous ajoutons les variables au fur et à mesure pour voir l'évolution du lien. On commence normalement par là où les variables explicatives, ensuite les variables de contrôle, et éventuellement là où les variables médiatrices. À chaque étape, on vérifie les éléments suivants pour nos variables explicatives. Est-ce que la variable perd ou gagne en significativité? Est-ce que le lien avec la variable à expliquer diminue ou se renforce? Est-ce que le signe de la variable change? Nous parlerons plus en détail des modèles de régression dans de futures vidéos. 7. La présentation des résultats. Finalement, nous devons présenter nos résultats. On peut simplement exporter les graphiques et les tableaux que l'on peut réutiliser dans un autre éditeur de texte. Avec cette méthode, il est préférable d'automatiser le processus. Mais il est possible de rédiger son texte et son code dans un même document avec R Markdown ou Quarto. Ces deux fichiers feront l'objet d'une série de vidéos. Et voilà, nous avons fini la présentation des étapes d'une analyse statistique. Cependant, nous pourrions ajouter une étape supplémentaire qui est le nettoyage du code. À ce sujet, nous avons une série de vidéos dessus. Mais nous avons assez parlé pour l'instant. Dans les prochaines vidéos, nous apprendrons comment importer des données dans R et comment fonctionnent les packages. En attendant, portez-vous bien et à bientôt !